Bonjour les amis et bienvenue sur BioShock. Oui, BioShock. Pour un nouvel épisode où on doit trouver. Où on fait des courses pour sauver ce truc où on s'en tape royalement, tu vois. Moi, je veux juste qu'une chose, c'est remonter à la surface et me barrer, quoi. C'est tout. Mais non, faut que j'aide quelqu'un encore une fois. Voilà. Ouais, bah, je vais payer. Hein. Ils sont où? Vous êtes où? J'espère que vous savez bien d'ailleurs. Je sais pas du tout ce qui me tire dessus en fait là. Ah, c'est lui. Hop là, voilà, voilà. Voilà. Ah, il me faut le bon sens. Voilà, j'ai le bon sens. Ici, ici et ici. Voilà. Maintenant, t'es à moi et tu t'es. Oh, encore un truc comme ça, sans déconner. Hop là, faut que je monte ici. Faut que t'ailles par là, faut que t'ailles ici. Ok, là. Là. Et là. Wouh, c'était chaud là. Mais on a réussi. On a 3 eaux distillées déjà, bien. Ouh, ben oui, la dernière fois, excusez-moi, je suis rentré directement dans le vent là, mais la dernière fois on faisait des courses. On faisait des courses et y a beaucoup de gens qui veulent m'empêcher de faire les courses, quoi. Allez savoir, hein, ils aiment pas. Ils aiment pas ça. Et là, tranquillement, on... pour produire efficacement là-dedans. J'espérais les plonger dans un état végétatif pour qu'ils soient plus malléables. Le fait d'être en leur présence me gêne considérablement. Même avec ces implants dans leur estomac, ce sont toujours des enfants. Ils jouent et ils chantent. Parfois, ils me regardent et ne s'arrêtent pas. Parfois, ils sourient. Là. Bah ouais, elle sourit si c'est des enfants, ça sourit. Parce que t'es moche. Alors... Non, toujours pas, tu vois, il me manque que 3 trucs et j'aurai ce qu'il faut. Et ça, je veux le prendre, oui. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre. Je le sais. Mais c'est horrible, ça. Lui, il cherche la petite sœur, tu vois. Amélioration d'armes. Augmentation de dégâts à la mitraillette. Bah ben ouais, pourquoi pas. Objectif à terre, eau distillée, on a tout ce qu'il nous faut. Avez-vous trouvé tous les composants du Mecker Lazare? Si c'est le cas, je vous conseille de trouver rapidement un poste de l'artefact. Ensuite, regardez le laboratoire de Langford. Et mettez la potion dans le brumisateur. Ça devrait dissiper ce brouillard en un clin d'œil. Ouais, mais on va déjà... Manufact, je pense que vous êtes maintenant l'heureux propriétaire d'un vecteur Lazare flambant neuf. Placez ce vecteur dans une machine appelée le contrôle central de brumisation et tout marchera comme sur des roulettes. Ouais.
Ouais. Putain, il est horrible ce truc. En fait, j'en avais plein en bas, tu vois. Je fouille. Je suis pas venu ici pour rien, quand même. J'avais déjà trouvé la moitié avant même d'arriver, quoi. Je sais pas pourquoi je reprends une clé anglaise. Ah, vous voyez, faut fouiller. C'est quoi ça? Augmente les scores de recherche attribués sur les, avec les photos. Ah putain! J'ai plus de munitions! Je n'ai plus une seule munition! Mais comment cela se fait-il? Ah, attends, j'ai des munitions là. Bon, j'ai du napal. Putain, je fais que ramasser des munitions. Comment ça se fait que j'en ai pas, quoi? Arrêtez, maudit, allez bruit de vos arbres. Allez, viens par là, crevure. Tu peux me laisser passer, s'il te plaît? Je veux pas dire, mais il t'a attaqué, l'autre, en haut. Dégage. Imagine, tu m'aurais attaqué à côté de l'autre, il m'aurait défoncé, quoi. Bah oui, c'est par là qu'il faut aller. C'est bon, je suis. Alors là, ils sont à la recherche de petites sœurs. Bon, tu sais, t'es pas mieux là, hein. Ah, il s'est défoncé tout seul. Ah, ça c'est con, ça. Ça c'est con pour lui. Il y a du monde derrière qui avait voulu venir me faire chier, quoi, t'as vu? Et ma petite... J'avais pas vu ça tout à l'heure, t'as vu? C'était... Oh bah elle est toujours debout, ça c'est bien. Bon, bon, on est assez venu ici la fois dernière, hein, on connaît l'endroit. Regagner l'Arcadie. Voilà, on regagne l'Arcadie. Au fond de l'océan, qu'il était impossible, c'était de bâtir ailleurs. Andrew Ryan. Inutile de lutter contre l'inévitable. Bientôt, vous n'aurez plus d'oxygène. Les meilleurs, mesdames. En fait, je veux à côté de sortir du protecteur, en fait, tu vois.
rester ici. Allons vite faire cette mission! Allons-y, là il risque d'avoir du monde au taquet. Il y a un protecteur à côté quand. En tout cas, il y a quelqu'un qui est pas content. Bon, ça suffit, appelez les infirmiers. Oh, oui. Ah, ils l'ont défoncé. Crozomundi, je sais pas ce que c'est. Et voilà. Il semblerait que la mort de Julie n'ait pas été une leçon assez claire. Ceci suffira pour elle. Ryan, vous avez dit, je vais vous envoyer de la compagnie. Mieux pour regagner l'entrée du laboratoire et la verrouiller. C'est peut-être le seul moyen d'empêcher les contrôles d'entrée. Ah, je fais F2 quoi. Oh, j'ai plus de vie, j'ai plus rien. Mais je veux bien, moi. Je vous ai envoyé un petit colis par le pneumatique. C'est pas grand-chose, mais le moindre détail compte. Vous avez verrouillé la porte? Parfait. Nous allons gagner un peu de temps. Je sais pas en quoi on va gagner un peu de temps, mais bon, on va... Là, il faut que j'attende ici, en fait. Oh, ça, c'est bien, ça. Bienvenue à la farandole des prix. 6, 25... je devrais te pirater un peu. C'est tout vos désirs à la farandole des prix. Voilà, ok. Ok. Là. Il me faut un qui part droit. Là. On l'a fait. Bienvenue à la farandole des prix. Vous allez mourir ici et maintenant. Vite. Aidez-moi à trouver ce passage. Ta gueule! Je ne peux pas vous faire de mal, mais c'est parfois nécessaire.
Bah bonne question, c'est pas moi qui fais hein, on déconne quoi. En plus j'ai un protecteur qui est à côté de moi là et qui rêve d'une chose, c'est de me défoncer la gueule. J'avoue qu'ils font bien leur travail quand même. Ça va, il m'envoie pas mal de mecs et tout, tu vois, c'est pas non plus la mort. Rien à foutre des cadavres, hein. Reste là. C'est quoi qui me tire dessus là? Que s'est-il passé? Le mec avait-il fait? Qu'est-ce que vous attendez à actionner l'interrupteur? Je t'emmerde moi! Sans déconner quoi! Faut que je m'amuse ou quoi? Foiré! Bah ouais, je m'amuse! En même temps, oui, c'est vrai que je m'amuse! Allez, venez par là maintenant! Déjà ? Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça c'est pas lui le grand méchant, quoi. Et je trouve que je me suis vraiment très très bien débrouillé, moi. Le petit sort, là, des familles. Ah, t'es là, le coffret. Bon. Bonjour. Qu'allez dire si je t'emmerde, hein ? Le petit sort qui envoie valdinguer les petits mecs là, je suis tombé amoureux quoi. Ah si je l'avais pas eu là, je crois que je serais mort. Je pense que je vais l'utiliser plus souvent. Allez, allons voir Ryan. Comment se fait-il que vous résistiez aussi bien aux méthodes canoniques de séparation de l'âme et du corps? Vous n'êtes pas de la CIA, je me trompe? Vous appartenez à Atlas, le seul cafard qui semble résister à l'extermination. Ne vous inquiétez pas. Le temps que je trouve le bon poison, ce sera fait. En fait, lui, il veut buter tout le monde, quoi. C'est ça, son... Je ne crois pas à un dieu, à une présence invisible dans le ciel. Il existe quelque chose de plus puissant que chacun de nous, l'union de tous nos efforts. Une grande chaîne industrielle qui nous unit. Mais ce n'est que lorsque nous luttons dans notre propre intérêt qu'elle tire... la société dans la bonne direction. La chaîne est trop puissante et trop mystérieuse pour qu'un gouvernement puisse la contrôler.
Tous ceux qui vous diront le contraire vous videront les poches ou poseront un pistolet sur votre tempe. Excusez-moi, je restais pour écouter ce que disait Andrew Ryan. Je sais pas du tout où il faut aller. Attendez. H. Pas d'objectif. Ah, je suis Arcadia. Bah, je pense qu'il faut aller à la forteresse. Hey, je crois qu'on a atteint la moitié du jeu, les gens. Déjà. En tout cas, là, le petit truc télékinésiste, là, je suis tombé amoureux, quoi. Ah ouais, carrément, quoi. J'ai renvoyé... Ah ouais, ça vaut pas, ça prend que dalle. Mais c'est horriblement efficace. Vous y êtes prêts. La bâtisse qui mène à Ryan est droit devant. Pourquoi je joue à ça, Ryan, moi? Ryan a remis les clés de la forteresse volante à un certain Sander Cohen. Pour beaucoup, Cohen est un artiste. Oh, ah, je là. Pense qu'il est totalement simple. Dans ma vie, j'ai vu toutes sortes d'assassins. Et Cohen est totalement dément. Je crois qu'on entend. Je sais pas pourquoi j'avais mis des sous-titres. Option jeu, difficulté moyenne, sous-titres texture avec, sous-titres dialogue avec. Voilà, appliqué. Ah, j'ai trois petites sœurs à ce niveau. D'accord. Ah ouais, je peux inventer plus de choses. Ça, ça va être bien. Oh non, je reste avec ce que j'ai, je suis bien, je suis content. Je suis plein ou quoi? Parce que je me balade... Je me trouve super lent, pas vous? Et pourtant, je cours là. Voilà, on est à fond. Andreum, bon, allez, go, on est parti. Bah ouais, tu crois quoi qu'il allait te faire cette chose Je veux pas savoir ce qu'il fait. Il fut un temps où l'on entendait des choses décentes à la radio. Tout artiste a le devoir de charmer l'oreille et d'enchanter l'esprit. Alors dites adieu à ces deux fanfarons et bienvenue pour une soirée avec Sander Cohen. Bon. Je n'ai pas vu signe de vie ici depuis des mois. Voyons si vous êtes un simple nouveau venu ou... Oh, elle est bonne. Venez, qu'est-ce que c'est? Parti, bébé. Ta gueule! Où avez-vous fait vos études? Dans ton cul! Espèce d'enfoiré! Hey! Vous êtes réchauffé! Ça serait bien d'apprendre à viser aussi.
Ah mais c'est des roses, c'est pour ça qu'on a du mal. Non mais attendez là. Je crois qu'il est SM le garçon. Je vois que t'es plouque. Mais j'en oublie les bonnes manières. Entrez. Under Cohen vous attend dans le hall de la marine. D'accord, il faut d'abord y arriver au hall de la marine. Bienvenue à la farandole des prix. D'accord. Bienvenue à la farandole des prix. Bienvenue à la forteresse polaire. Encore un taré, quoi. Oh, moi, je vois pas d'autre mot à ça. Est-ce que taré, c'est péjoratif? Je sais pas. Personne voulant la mort de quelqu'un d'autre. Un psychopathe, voilà. Taré, ça englobe beaucoup trop de choses en fait. Inutile de me remercier pour avoir envoyé les transmissions de ces rustres d'Atlas et de Ryan. Laissons-les à leur querelle. L'artiste. L'artiste sait qu'il y a une terre plus riche à la bouche. Par exemple, je vous mets à l'épreuve, petit papillon, mais j'ai une bonne raison. Je teste tous mes disciples. Certains brillent comme des galaxies, d'autres se brûlent les ailes comme un papillon sur la flamme. Venez, entrez dans ma maison. Tant qu'ils ont du fric, moi je veux bien aider, moi. Ah, je suis vénal, je suis vénal! Il a été gentil, il m'a laissé quand même d'abord trouver le bon. Ouais, on va faire ça comme ça là. Un ici, un autre là, un là, un là. Et j'en ai plus. Sans déconner, il n'y en a plus. Peut-être qu'il y en avait un, mais je l'ai pas vu. J'ai trop d'azote liquide, dis donc. Ça, c'est énorme. C'est pourquoi ça me fait flipper en fait ce truc là, tu vois. Je me dis peut-être tu vas voir qu'ils vont se mettre à bouger quoi. Bon allez, alors on suit la flèche là, c'est bon, on a assez perdu le temps.
Et il y a du sang partout, c'est dégueulasse. T'aurais pu nettoyer, hein. Ah, saloperie. Bah ouais, piraté. Là. Toi ici, toi ici. Ah, j'en ai plus ou quoi? Non, il n'y en a plus. Ok. Là et là. Ah, j'en ai deux à mon service. Oh, laisse-moi passer, putain. Oh, saloperie, je te jure. Tout ça à cause d'une putain de... Voilà, piraté. Là. Et là. Voilà. Saloperie, tu as fait perdre du temps, oui. Ah, je veux bien, mais il veut pas m'ouvrir. Les objets. Comment pouvez-vous penser que je peux rencontrer mon public maintenant, alors que je me prépare? Impensable. Qui est là, tu crois? Il y a un peu de contradiction quand même, hein, dans tout ça. Ah, mais voilà, il faut appeler l'ascenseur. Ah ouais, je crois qu'ils ont... Vu que j'ai appelé l'ascenseur, ils ont pas été contents, tu vois. Ça, c'est typique des vieux jeux, tu vois. Non, non, non. Je sens qu'il n'est pas content. Silence. Allez-go, allez-go.
Enfin, je sais pas trop ce que j'ai vu. La vie, la mort, le fardeau de l'artiste est la capture. Vous voyez le jeune Fitzpatrick sur la scène? Utilisez votre appareil photo. Immortalisez-le tel qu'il est aujourd'hui, pour que je puisse m'en souvenir. Et voilà maintenant Fitzpatrick en pleine heure de gloire. Je crois que vous avez un œil de photographe, petit papillon. Maintenant, dirigez-vous vers l'atrium et placez ce cliché dans mon chef-d'œuvre. C'est ainsi que commence notre collaboration. Ah, ça, ça vient pas, tu vois, il faut que j'aille là-haut, en fait. Et voilà! Démonstration d'athlétisme. Torna indietro! Bon, ça serait bien que tu fasses un peu ton job, toi. Votre œuvre avec le sang d'un homme que j'aimais. Oui, je vais vous envoyer à Ryan. Mais vous devez d'abord faire partie de mon chef-d'œuvre. Allez à l'atrium. Faites vite. Ma muse est une garce inconstante qui ne me consacre qu'une attention très brève. Bon, ben les amis, c'est ici que je vous laisse. Sur ce, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ça m'a fait extrêmement plaisir. Ça prouve que vous aimez mes vidéos. Et je vous dis à tous et à toutes, à la prochaine fois. Sur ce, je vous laisse. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ça me fait vraiment plaisir, c'est-à-dire que ça t'a intéressé et que mon travail te satisfait. Finalement, je ne sais pas quoi dire, à part merci. Alors, je peux dire aussi abonne-toi, hein, c'est accessoire, et puis aussi mettre un pouce bleu, hein. Ça prend pas de temps, pas d'argent. Juste un petit clic. Allez, sur ce, je vais hiberner, je te laisse. Bye bye.